personne. Ouais, c'est clair pour l'arbitre, penalty. Et c'était bien tiré. Sco. Le gardien qui repousse. Voir le beau tir. Oh, il est cette frappe. Oh, le poteau. Oh, le but contre son corps. Oh, la jolie frappe. Le Paris Saint-Germain qui marque. Malgré cette réduction du score, il faut être lucide. Hein. Le PSG ne peut plus rien espérer de ce match. Là, non, il y a longtemps que l'adversaire s'est mis à l'abri. On va vraiment croire au miracle pour croire en un possible retour des Parisiens. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Et cette action n'ira pas plus loin. Oh, poteau, le ballon qui revient en jeu. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Le Paris Saint-Germain qui marque. Je vous laisse apprécier. Hein. L'occasion peut-être avec cette frappe. Le Paris Saint-Germain qui marque. Et c'est son deuxième but personnel. Il va peut-être pas s'arrêter là. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Lucas Derain. Qui sait, il va peut-être pas s'arrêter sur le chemin. Et le hat-trick de Lucas. Et un, et deux, et trois, et oh, mais il avait, c'est parce qu'il avait les cheveux dans les yeux. Rendez-vous aujourd'hui et le score qui est à présent de 3-0. Xavi. Il jouera 2 minutes de temps additionnel. Finalement son face à face. Ah, c'est bien joué hein, de la part du gardien. Oh, la jolie frappe hein. Oh, c'est terrible. Encore un but et l'écart qui se creuse de plus en plus. Alors on voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. C'est bisous, bisous, bisous. Ah, moi ça me laisse baba. Hervé, tout y est, la vista, la lucidité, le sang-froid, l'application surtout, le geste parfait pour conclure une belle action. Avec Zlatan Ibrahimovic. Oh, il va y avoir des frissons là avec ce coup franc extrêmement bien placé. Oh, attention, ça va être un gros problème là pour le joueur barcelonais. Oui, carton rouge. Qui lui a cassé les pattes. On voit cette intervention défensive irrégulière. C'est un peu laissé emporter sur son tacle glissé. Zlatan dans l'axe. Le gardien qui s'incline à nouveau. Zlatan dans l'axe. Assez médiocre. Pour lui, j'ai même l'impression que ça ne s'arrange pas au filet. Ah bon. Le ballon qui revient dans les pieds du Bayern. Oh,
Toni Kroos, le Bayern qui marque, but du Bayern. Quand on voit un geste d'une telle pureté, on se demande ce que peut faire le gardien. Enfin, c'est une reprise de volée comme celle-ci. Il est beau. Il n'y a pas grand-chose, Hervé, à vrai dire. Si vous n'avez pas la chance d'être sur la trajectoire du ballon pour tenter un arrêt réflexe, ben vous n'avez plus qu'à prier que le ballon parte dans les nuages. Non, c'est pas le cas. Un moment euphorique, là, le ballon qui circule bien. Un ballon à destination de Schweinsteiger. Peut-être le but. Oh, le but. Ah, je pense qu'avec ce nouveau but, il scelle l'issue de ce championnat. Ah, il domine ce match. Hein. C'est vrai que le maillot de champion leur va plutôt bien. Rien à redire. Il fallait gagner ce match. Et la voilà, la frappe. Le Bayern qui marque. But du Bayern. C'est un gardien qui doute de plus en plus. Ça fait un but. Ouais, mais attends, je fais une fin de frappe. Hein. Bon, après, celui le deuxième. Pour sa défense. Je ne comprends pas toujours son placement. Oh, tu défausses l'arme. Le temps d'alerter Thomas Müller. Thomas Müller. Le Bayern qui marque. But du Bayern. Ouh, yeah. Plus de contestation possible, l'affaire me paraît entendue. Ouais, je ne sais même pas si dans ce match, et ils parachèvent leur triomphe avec cette victoire. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci à tous, salut. Ouais, champion du monde.